Bienvenue sur la papote livresque. Aujourd'hui, on est le 24 février, le samedi. C'est le jour de la foire du livre de Bruxelles et comme promis, je vous emmène avec moi. Donc là, je suis dans la voiture. Vous voyez qu'il fait moins 4 degrés. Dès que je parle, il y a de la buée qui sort de ma bouche. Donc là, ben, je suis à 45 minutes de Bruxelles, de là où je vis. Donc il est 9h42, donc c'est très bien, j'arriverai vers 10h30. C'est parfait parce qu'il y a une conférence que j'aimerais faire à 11h, qui est une conférence sur les fanfictions et Harry Potter. Donc voilà, et la suite, très bientôt. Métier d'édition et je l'ai rencontrée il y a 2 ans déjà parce qu'elle s'était inscrite à un de mes ateliers d'écriture qui s'appelle les narratives. J'ai des dates, j'ai plein de choses quoi. J'ai de la musique, il y a des musiques pour des ambiances. C'est une espèce de laboratoire et moi je suis là et je suis très très bien et je sors pas. Je marine dans cette espèce d'univers avec ces gens qui pour moi sont tellement réel qui m'arrive dans la vie. Par exemple, je suis allée chercher le diplôme de bac de mon fils et quand on m'a... j'avais oublié de prendre le papier officiel pour retirer le diplôme et j'ai dit mais je connais tout le nom de tous ces professeurs et on m'a dit allez-y et j'ai donné les professeurs de Zoé Cortès dans le livre et la dame elle m'a dit mais c'est pas les personnages, c'est pas les professeurs de Clément. J'ai dit si, elle m'a dit non, c'est le professeur de Zoé Cortès dans la vaste langue des tortues. Et vous êtes Catherine Pancol, parce que j'ai pas le même nom que mes enfants. Et oui, mais j'ai pas le papier, elle m'a dit je vous donne. Parce que pour moi, ils sont aussi vivants que. Voilà les amis, je vous retrouve bien plus tard, il est 18h30, mais voilà, je vous ai fait quelques images, mais j'ai surtout bien profité du salon. Donc voilà, je suis passée avec mon tome de 3 baisers, voir Catherine Pancol en dédicace, qui était vraiment adorable, super sympa, ça s'est très bien passé. J'ai fait une rencontre avec elle aussi, enfin j'ai suivi la rencontre qu'elle avait eue pour la première, donc une interview qui était vraiment super intéressante. J'ai aussi participé, comme vous l'avez vu, à la conférence sur la fanfiction de Harry Potter. Ça aussi, c'était super cool. J'ai ensuite acheté 2 livres, donc j'ai été quand même vachement raisonnable. J'ai d'abord pris le tome 4 de Sauveur et Fils parce que c'était le dernier qui manquait à ma petite collection et que voilà, j'ai très hâte de terminer cette saga que je vais probablement lire en lecture commune avec Lilian. Et j'ai ensuite craqué pour le premier tome de Mathieu Hidalf, le premier défi de Mathieu Hidalf, écrit par Christophe Maury, paru donc chez Folio Junior. Tout simplement parce que je vous avais dit que c'était une série que j'avais très envie de commencer quand j'avais découvert cet auteur grâce à une vidéo de la boîte à mots. Et donc voilà, je suis très contente, j'ai fait aussi une super petite dédicace
qui est très personnalisée parce qu'on a vraiment bien pu discuter avec l'auteur. Donc voilà, je vais pas vous la lire, mais il y a une chouette dédicace. Et voilà, c'était vraiment un super chouette salon. J'ai passé la majorité du temps en salon avec Isa de Isa Natural Tales. On a beaucoup discuté aussi avec Lilian de The Book of Lilian. J'ai vu aussi Amélie, donc c'est la première fois que je voyais Amélie et franchement voilà, c'est une super chouette fille. Et j'ai vu aussi Camille, que je ne connaissais pas et que je suis absolument ravie d'avoir découvert. Donc voilà, je vous mettrai évidemment leur chaîne en barre d'infos. Ah oui, j'ai vu Ludo aussi de Prends un livre et détends-toi. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. C'était un très chouette salon. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc là, je suis sur le retour, c'est la file pour rentrer. Mais voilà, je vous dis à bientôt.